Coucou les petits loulous! Aujourd'hui, Émilie, petite taupe, ouvre-moi ta porte. C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est tranquillement installée chez elle, bien au chaud, lorsque soudain, qui frappe à la porte? Tous les animaux, un à un, vont venir lui demander l'hospitalité. Un livre sur le thème de la solidarité. Petite taupe, ouvre-moi ta porte. Brrr, il fait nuit. C'est l'hiver dehors. Qui frappe à la porte de la petite taupe? Une petite grenouille toute mouillée. Elle a l'air épuisée. La petite taupe la fait entrer et l'installe sur le canapé. Mais qui frappe à la porte? Un petit écureuil qui tremble comme une feuille. La petite taupe le fait entrer et l'installe sur le canapé. Mais qui frappe à la porte? Un pauvre blaireau qui prend l'eau. La petite taupe le fait entrer et l'installe sur le canapé. Mais qui frappe à la porte? C'est une mésange et ses petits. Il fait bien trop froid dans leur nid. La petite taupe les fait entrer et les installe dans son lit. Mais qui frappe encore à la porte? Je vais tous vous dévorer! Gronde le loup affamé. Répondent les animaux menés par le blaireau. Plaf! Boum! Ouille! C'est la bataille. Et badaboum! Le loup s'écroule sur le plancher. En un rien de temps, le voici ligoté. Pour se remettre de toutes ses émotions, la petite taupe décide de préparer sa spécialité, une bonne soupe à l'oignon. Mais soudain, qui frappe à la porte de la petite taupe? Un hérisson, un hibou, un mulot, un lapin, tous gelés. Eux aussi voudraient bien rentrer. Dans la petite maison, tout le monde s'est installé autour d'un bon souper. Et même le loup peut y goûter. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi.